Bonjour, je suis Scarabée. Aujourd'hui, on va faire une vidéo sur les mangas shonen. Si vous connaissez pas les shonen, c'est que vous avez dû peut-être rater votre vie. Ou que vous savez pas ce que c'est un shonen. Bon, un shonen, en gros, c'est ça. Bon, la trinité des shonen. Tout le monde doit connaître, on a dû parler de ces shonen-là. One Piece, Fairy Tail, Naruto. Les plus connus en France. Mais, qu'est-ce qu'un shonen? C'est sûr que ça, c'est une question existentielle. Un peu comme la tête de ma bite. Calme un peu tes ardeurs, mec. Notre chaîne, c'est Piki 3. What? Piki 3. Voilà. C'est sûr que t'as pas de builder sur ce genre de livre. Tu sors ça d'où? Quoi? Ça? Oh, tu sors l'armoire. Tu le vois? Ouais, vas-y, passe. Oh, toi tu me rends ça tout de suite. Ça. Merde. Pourquoi tu me rends pas ce livre tout de suite? Parce que déjà, de une, ça, c'est à moi. Et de deux, rappelle-toi ce qu'on avait dit. D'accord pour les lunettes noires, mais on copie pas SLG. C'est déjà assez la merde pour les copyrights, pour les... Oh, vous copiez SLG parce qu'il y a un mec à les lunettes noires. Bon, on arrête de faire des conneries. On va parler vraiment des shonen. En gros, les shonen, c'est tout un pareil. À quelques exceptions. Comme ça. Oui, ça, c'est une grosse exception. C'est mon méga manga meilleur du monde entier. Oh yeah. Alors, les shonen, ça commence toujours par un gamin ou un mec qui c'est un gros naze. Vous voyez Hollande? Picre. Vous imaginez? Picre. C'est un gros naze. Mais quand je dis gros naze, c'est vraiment gros naze. Et il doit évoluer, en évoluant petit à petit, en devenant plus fort, soit en découvrant des spécialités à lui-même, des trucs qu'il a depuis son enfance. Oh, tu as été élevé par une secte de Padawan. Tu vas devenir Super Ninja. Ou que t'as eu des dragons dans ton corps, tout comme ça. C'est tout le temps la même chose. Comme j'ai dit, à quelques exceptions près, ou à quelques chansons près. Et c'est toujours soit un personnage, soit un groupe de personnages. Comme dans le cas, il y a 15 personnages, en fait, que ces mangas-là. Et un groupe de personnages comme ce manga-là. Ou celui-là. Dans un shonen, le truc qui est le plus important, c'est l'évolution du personnage. Bon, c'est toujours un gamin au début, et à la fin du manga, c'est le grand champion, le grand maître des pirates, le shonen, le mec super ninja, le gars grande, même pour un groupe, la grande équipe de magie, gna gna. Ça peut être tout. Ils ont toujours un objectif, ils doivent toujours se perfectionner. Comme je dis, à part ces exceptions près. Et comment dire, c'est toujours comme ça. Personnage nul. Changement dans sa vie. Quelqu'un qui arrive pour l'aider ou pour l'apprendre, tout ça. Vu que s'il a aidé, ce personnage veut devenir comme lui. Ou devenir plus puissant pour le battre. Comme ça, ça se passe directement, gna. Difficulté. Boss, méchant, et tout ça. Fin de difficulté. Progression. Arrêt pendant des années, devenir champion, de plus en plus dur, fin, tuer le grand boss, avoir fait le plus d'amis, devenir champion de foot, finale. Voilà, j'ai résumé un shonen. À part si son prêt. Oui, celui-là il va venir souvent, c'est the best, pour moi. Et ouais. Ah oui, tenez, j'ai une idée. Number 5, top 5 de mes shonen préférés. Numéro 5. Monster Hunter. Yeah. Ceci est un méga qui tue. Il est bien, mais il n'est pas si bien que ça. Très long à comprendre, très difficile, et rempli d'incohérences, mais très intéressant.
Papi Pogno, un ami du ghetto, pour vous jouer un mauvais tour avec Naruto et ma four. Oui, Naruto numéro 4. Ne me tuez pas. Alors, pourquoi Naruto numéro 4? La fin est décevante. Tu regardes le petit, c'est génial jusqu'à... Tome 54. Après, ça se casse la gueule. Donc, numéro 4. Numéro 3, Bleach. Alors pourquoi Bleach numéro 3? Déjà sur le coton de meuf, il pourrait même tomber numéro 2. Mais comment te dire? X-Men, sur le coton de meuf, il dépasse déjà Naruto et Dark Center. Je laisse toute cette chance. Voilà quoi. Génial, EP génial, ninja génial. Ouais, pas ninja parce que je dis avec les armes comme ça, bon, voilà. Univers génial, tout est génial. Point final. One Piece. Le numéro excellent. Numéro 2, parce que le prochain, il le bat largement. Bon, pas si largement que ça, à peine. Mais il le bat. One Piece, univers de pirates, c'est génial. À conseiller à tous les gens qui commencent les mangas, pour les gamins autant que pour les adolescents, même les adultes. Et génial, la nouvelle saison, je veux dire, quand ils ont passé les années, commence à devenir intéressante à suivre jusqu'au tome 120. Numéro 1, Fairy Tail. Oui, ce manga est tu. Beaucoup de gens l'aiment pas, mais moi je l'adore. Fairy Tail, génial. Un peu trop de fin de service. Beaucoup de gens aiment ça. Et tu, trop bien. Kill de magicien, final. Numéro 0, Crown 17. Oui, 17, il tue. Il détruit presque tous les codes des shonen. Génial, les personnages sont mémorables, hyper puissants. Il n'y a pas la phase de on est nul, il faut qu'on devienne plus fort. Non, ça tu oublies. Ils sont tellement badass que. Voilà quoi. Et oui, c'est eux qui ont fait ça. C'est pour te dire. Et aussi, pour vous prouver, je suis prêt à danser pour le prouver. Bon. Sérieux? Ouais, le pire c'est qu'il est sérieux. Bon, finissons cette vidéo, elle devient trop longue. Ouais, bon, t'as raison, mon père. Bon, petit cadeau pour tous ceux qui ont regardé la fin de vidéo. Je jure, sur la tête du Joker, que si on arrive sur cette vidéo à 30 likes, je fais un épisode spécial en taille. Ça fait plaisir d'applaudir, pas d'applaudir. Et de regarder plus ancienne vidéo. Et like cette vidéo si tu veux une vidéo sur... Everybody gives you advice, yeah, on how to live your life. Don't you know that life is full of surprises?